www.congofrance.com. La position qu'il occupe dans notre société, qui a été auteur intellectuel, initiateur, qui a donné des encouragements à ces jeunes gens qui ont cassé des commerces, qui ont tué un policier, qui ont détruit des installations de nos commissariats de police, tout sera payé, ils seront déférés devant la justice, condamnés à... Ainsi que la police nationale congolaise a été chargée de garantir ce principe en filtrant tout accès au palais du peuple pour la journée d'aujourd'hui, qui était annoncée comme la journée de cette manifestation illégale, afin d'en éloigner tout individu ou groupe d'individus désireux d'aller à l'encontre de cette norme légale de l'inviolabilité du siège du Parlement congolais. Des policiers ont été déployés sur terrain pour isoler donc le palais du peuple, pour le sécuriser, sécuriser également toutes les dépendances du siège du Parlement et toutes les voies d'accès environnantes qui sont concernées par cette loi qui neutralise cet espace. Il s'est observé alors une réaction de défi à l'autorité de la part des groupes de jeunes délinquants instrumentalisés par les auteurs des tracts et messages susmentionnés et qui ont abouti à des troubles graves de l'ordre public. Ces troubles, nous les avons observés à travers 9 communes sur les 24 que compte la République, la ville-province de Kinshasa. Vous avez montré des barricades qui ont été érigées, quelques pneus qui ont été brûlés, des cocktails Molotov et autres projectiles qui ont été jetés sur des forces de l'ordre et des bus de transport en commun, notamment les bus de la société Transco, dont 4 ont été gravement endommagés. Plusieurs magasins appartenant à des acteurs économiques expatriés et quelques boutiques de nationaux ont été pillés de fond en comble. Il y a malheureusement des pertes en vies humaines et le bilan provisoire de ces actes d'incivisme font état de 1 agent de la police nationale congolaise qui a été froidement tué par balle par des agresseurs non encore identifiés et que nos services continuent à rechercher. Ce bilan de la position qu'il occupe dans notre société, qui a été auteur intellectuel, initiateur, qui a donné des encouragements à ces jeunes gens qui ont cassé des commerces, qui ont tué un policier, qui ont détruit des installations de nos commissariats de police, tout sera payé, ils seront déférés devant la justice, condamnés à payer sur les biens qu'ils détiennent dans ce pays. Et je pense que demain, plus personne n'osera penser encore à piller. Vous avez une revendication politique, vous la faites passer, vous ne pillez pas vos frères, vous ne pillez pas des gens qui viennent travailler chez vous parce que soi-disant vous avez une revendication politique. Et ceux qui ont appelé les gens à piller vont payer ceux qui ont été pillés. Il n'y aura pas, monsieur le ministre, une telle réconciliation entre les gouvernements et tous ces gens? La réconciliation, le président l'appelle de tous ses voeux. Tous les jours, il dit qu'il a la main tendue, que sa main reste tendue. Nous enregistrons quelques réponses timides. On a entendu M. Tshisekedi dire qu'il veut le dialogue, même si on a à discuter avec lui sur ce qu'il met dans ce dialogue comme ordre du jour, mais c'est déjà un pas en avant. Et donc, ceux qui sont venus aujourd'hui, on se demande bien ce qu'ils cherchent, alors que nous approchons du moment où des discussions sérieuses sur la RDC peuvent être entreprises entre les citoyennes et les citoyens de la RDC. Voilà des casseurs qui arrivent pour tout détruire. Il n'y aura pas de réconciliation avec le mal. Il n'y aura de réconciliation qu'entre des vertus, il n'y aura de réconciliation qu'autour des valeurs. Ceux qui professent les pillages, ceux qui professent le meurtre, ceux qui professent la haine contre ceux qui ne sont pas comme nous, vous savez, les Chinois, les Ouest-Africains, ceux qui sont d'autres partis politiques, qui ne sont pas de l'opposition, ceux qui professent cette haine-là n'ont pas de place ailleurs qu'en prison. Et je pense que la justice va se faire un devoir de prouver cela dans les heures et les jours qui viennent. Les Congolais doivent suivre ceci avec beaucoup d'attention, les opérateurs économiques également. Nous ne laisserons rien implaisant encourager parce qu'aujourd'hui, ils ont été victimes de ces malfrats. Mais leur dire qu'il y a un État qui est là, il y a un gouvernement, il y a une police, il y a des forces armées de la République qui sont là pour les protéger. Il y a une justice qui va leur faire rendre leurs biens.
Parce que nous connaissons ceux qui ont envoyé ces jeunes malfrats, ils ont aussi des biens. Ces biens seront réalisés sur décision judiciaire pour désintéresser tous ceux qui ont été pillés. Et la République ne se croisera pas les mains devant ce coup qui a été administré de manière tout à fait non méritée à des personnes qui ont fait confiance à la République démocratique du Congo, à des personnes qui ont fait confiance en leur propre pays pour investir dans leur pays et qui se voient ainsi dépouillés de leurs petits avoirs. Ils seront payés, comme je l'ai dit, rubis sur l'ongle. Et tous ceux qui ont joué un rôle doivent se préparer à voir leurs biens être réalisés par la justice pour être remboursés. Pour la première fois dans ce pays, on va rendre justice aux plus faibles. Et je pense que demain, on ne s'attaquera plus aux biens de nos. Il y a des dizaines de ces voyous, des pillards qui sont maintenant sous les verrous. Ils vont commencer à passer en jugement dans les heures qui viennent. Vous les verrez. Ceux qui les ont envoyés également vont passer en jugement. Et alors les Congolais comprendront que la justice est effectivement présente dans ce pays.